Il y en a d'autres comme vous? Tu m'en veux juste de l'avoir trouvée la première. L'aigle est parti. C'est sûr. Ici! J'avais mieux. Je les retrouverai. Tu es un bon chemin.
Allons-y, Kage. Un sommet dans le lointain. Le passé nous pèse.
j'ai failli perdre mon cheval en mer. S'il mourait, je ne sais pas ce que je ferais. Ce canyon. Mon père est mort non loin d'ici. Vous avez triché. J'ignore comment, mais j'en suis convaincu. Vous me devez 20 mônes. Allez, venez. Rentrons au camp. Une dette contractée auprès d'un bandit n'a pas à être remboursée. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de honte à reconnaître la défaite face à un adversaire supérieur. Avant notre prochain affrontement, j'aimerais jeter un œil à vos flèches. Apportez les mônes, j'apporterai les flèches. Une dernière bataille. Un ultime combat. Ensuite, nous nous préparerons à quitter cette île de malheur. Excusez-moi, je dois parler à mon père. Oui, bien sûr. Les intendants du seigneur Shimura se chargeront de l'impôt et des champs de fumier. Père, j'aimerais vous parler. Oui. Marchons un peu. Qu'y a-t-il ? Après cette campagne, pourquoi ne pas rester et prendre le contrôle de l'île d'Iki ? Ce n'est pas pour moi. Je ne suis chez moi qu'à Omi et sur le champ de bataille. Et toi ? Veux-tu rester ici et gouverner cette île ? J'y ai pensé, mais après tout ce que nous avons traversé, je ne me sens vraiment vivant qu'au cœur de la bataille. Ah, tu es un Sakai. Que voulez-vous dire ? Laisse l'administration et les assemblées aux Shimura de ce monde. Nous sommes la foudre dans la tempête, l'avalanche qui dévale la montagne. C'est cela, le clan Sakai. Je comprends, père. Je te pensais faible. Et incapable. Ce temps passé ensemble m'a démontré... Seigneur Sakai, pardonnez-moi. Nos éclaireurs portent des nouvelles urgentes. Très bien. Un instant. Je dois y aller. Rassemble tes affaires. Applique mes ordres à la lettre. Et tout se passera bien. Qu'étiez-vous sur le point de dire, père ? Que vous a démontré ce temps passé ensemble ? Je l'ai souvent rêvé, mais je ne le saurai jamais. Je garde au fond de moi un trouble. Le dernier jour de la campagne de père sur Iki. Je dois retourner sur la plage d'où nous sommes partis.
Viens! Je ne suis même pas armé. Et on ne peut pas le laisser aux mains des Mongols. On lui doit nos vies. Un samouraï. Nous n'avons aucune nourriture à vous donner. Je n'en voudrais pas, même si c'était le cas. Pas après ce que l'aigle a fait à votre camp. Personne n'est blessé? Nous sommes saufs grâce à Doshun, le moine qui s'occupait de ce camp. Il a accepté de suivre les Mongols sans histoire s'il nous épargnait. Où l'ont-ils emmené? Nous l'ignorons, mais nous sommes à sa recherche. Je vous aiderai. Les hommes qui se sacrifieraient pour d'autres sont rares. Otoke vous dira où nos hommes sont partis. Son époux est à la tête du groupe. Je n'arrive pas à le croire. Cela faisait 15 ans que je n'avais pas vu de samouraï. Vous parlez des hommes du seigneur Sakai. Oui, lors de l'invasion. Vous ne trouverez rien d'intéressant ici. Les Mongols ont tout pris. Je viens vous aider à retrouver le moine Doshun. C'est vrai? Mon époux et quelques hommes sont à sa recherche. Ils ont suivi les Mongols en direction du pont. Je vous guide. Restez ici. Ça peut être dangereux. Je veux aider. Je le dois à Doshun, plus que quiconque. Par ici. À propos de ce que j'ai dit sur les samouraïs, je regrette. J'ai beaucoup perdu dans cette invasion. Comme votre bras. Vous n'étiez qu'une enfant. Guerre ou non, ce n'est pas acceptable. J'avais trouvé un samouraï blessé dans l'étable. Je lui ai donné à manger. Mon père m'a vu faire et il m'a coupé le bras. La main qui nourrit l'ennemi, m'a-t-il dit. C'est horrible et injuste. Non, il avait raison. Le soir suivant, ce samouraï est venu dans le village et a tué tout le monde. C'est Doshun qui m'a recueilli et qui m'a soigné. C'est grâce à lui que je suis là. Je lui dois la vie. Il s'est passé quelque chose. Les hommes ont été tués. Mon époux! Restez ici. Je vais voir. Je ne me sens pas très bien. Respirez profondément. Cet homme est plus vieux. Rokuro. Il suivait mon époux, un nouveau venu. Il est plus jeune. Il porte une marque au menton. C'est Kaneji. C'était un père de famille. Pensez-vous que mon époux ait pu fuir? Nous devons trouver les Mongols au plus vite. Ce riz, il doit provenir de votre camp. Sans doute. Les Mongols ont pris nos vivres. Suivons sa piste. Vous ne m'avez pas répondu à propos de mon époux. Pensez-vous qu'il ait fui? Nous devons les rattraper au plus vite. J'essaie, mais mes pieds et mon dos, il fallait que je vienne. Je dois tellement à Doshun.
Mais si je perds mon époux, je ne sais pas ce que je ferai. Nous le trouverons. Je ne pensais pas fonder une famille avant de rencontrer Togo. Avec lui, un tas de choses sont devenues possibles. S'il disparaît... Restez ici tant qu'ils ne sont pas tous morts. Là, des Mongols sur la plage. Je dois me rapprocher. Togo, va-t-il bien ? Je l'ignore. Mais les Mongols le tueront s'ils nous voient venir. Un moine. Doshu. Ils l'ont attaché. En vue de son exécution. Non. Pitié. Vous devez les sauver. Non, je ne pourrai pas les sauver tous les deux. À l'instant où j'agirai, les Mongols me verront. Et à ce moment-là... Je ne peux perdre aucun des deux. Je ferai mon possible. Terminé. Monseigneur, vous m'avez sauvé. C'est votre femme qu'il faut remercier. Notre famille vous est reconnaissante, mais j'ai peur pour notre camp. Doshun nous nourrissait et nous soignait. Avez-vous un autre endroit où aller ? Il est dangereux de voyager, pour nous particulièrement, comme je suis enceinte. Si j'avais su... On ne prendra pas le risque. On restera au camp. Vous êtes ensemble, avec votre enfant. Tout se passera bien. Merci, Monseigneur. Viens, Otoke. Emportons le corps de Doshun et allons l'enterrer dignement.
Accélère, cadet. M'affronter en premier. J'ai tout bataille du rot. Des animaux en cage pour être emportés. Partez, petits êtres. Oi,
Venez vous battre! Tasha! Endata! Tasha! Ces taxes sur les terres, les maisons, le riz. Bon courage pour instaurer ça sur Iki. C'est bien ça. Que j'ai délivré, peut-être. Cette sorte de danse que font les singes me rappelle un air que ma mère m'a appris. Voyons si je m'en souviens. «
C'est le premier air qu'elle ait voulu m'apprendre. J'étais contrarié de ne pas y arriver. Elle jouait alors avec moi, malgré mes difficultés, pour ne pas me frustrer. Allons-y, Kage. Évoquez vos âmes. Battez-vous. Rêvez à des rivages lointains. Libère ton esprit. Je te guiderai dans cette voie.
De la tribu de l'aigle. Il disait que voir la mort de près fortifiait l'esprit. Où faisait de vous un chaman? Il s'en fout. Tu ne crains plus rien. Respire. Tu apportes une offrande pour les morts? Ce monument, à qui est-il dédié? Aux braves guerriers de l'île d'Iki, tous cruellement massacrés par le démon, Tadayori Nagao. Un démon? Non. Tadayori a réussi à protéger le peuple d'Azamo des pirates. Ce ne sont que des mensonges répugnants! Ces hommes sont tous morts en héros! Si vous le dites. C'était un
tu pourrais au moins respecter ceux qui sont tombés au combat. Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs, et encore moins de votre talent. Ce lieu est pour le moins reculé. Pourquoi rester ici? Comme vous venez de le prouver, le calme aide à bien à se concentrer. Thank you.
Ce Saya est tellement précieux que même ce singe l'apprécie. Tu le veux? Ou préfères-tu une mélodie? Merci bien, petit être. Il me sera nettement plus utile qu'à toi.
Le vieil air de ma mère. Je ne devais pas rester immobile. Elle tenait à ce que je joue et me meuve, comme un singe.
Pas mal. Elle me demandait de l'imiter, balançant sa flûte à gauche et à droite, pour être sûr que je le maîtrisais. Je dois admettre qu'il est difficile de jouer lorsque l'on rit. Bonjour, petite bête. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Tenzo. Dans une autre vie, nous aurions pu être amis. Mais tout ce que je peux faire, c'est faire fi du passé. C'est peut-être assez. Thank you.